situation où on est tous, où on échange quand même très régulièrement tous ensemble, ou en tout cas à travers les différents cordeaux, cadre enfance, directeur, DGA et élu. Donc c'était aussi de pouvoir, encore une fois, pouvoir débattre sur la situation qui est dans notre département, qui est aussi dans d'autres départements. Ça ne veut rien, ça ne vient pas amoindrir la crise, elle est là, la crise elle est là et on le sait. Mais ça nous semblait important ce dialogue-là, encore comme on a pu l'avoir la semaine dernière avec certains cadres en France, enfin avec tous les cadres en France, parce que ça nous permet aussi d'échanger sur peut-être des petits leviers encore pour aller plus loin. Donc c'est surtout ça qu'on a essayé de discuter, c'est de dire, même notamment avec des collègues qui étaient là dans cette délégation, qui sont là pour certains depuis 24 ans, d'autres de 20 ans, d'autres aussi qui partent, parce qu'on l'entend, hein. C'est difficile pour nous, mais on l'entend. C'est une situation qu'on vit tous, et c'est ça surtout ce message que j'ai essayé de transmettre aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas une barrière entre les responsables qui portent parfois des décisions et les opérationnels et ceux qui sont sur le terrain au quotidien. Parce qu'au bout du bout, si on a tous choisi ce métier-là, c'est qu'on a des valeurs, parce qu'on a une appétence, parce que sinon on ferait autre chose, et on ne va pas se regarder sur le débat de la rémunération, mais à un salaire équivalent, on pourrait faire d'autres métiers. D'accord. Donc si on est là, tous, eux aussi les VP, c'est qu'il y a quelque chose qui nous anime. Après, on est face à une situation qui nous dépasse, tous. Et donc l'idée, c'est le dialogue que j'ai pu échanger aujourd'hui aussi avec votre délégation représentante de vous tous, c'est de dire, essayons de travailler ensemble sur tous les leviers qu'on peut. Créer des places, on a essayé de voir et on se dit, bah, on ne peut pas les créer comme ça, même si on vient d'essayer d'engager quand même un gros effort. Mais c'est insuffisant, bien évidemment que c'est insuffisant. Mais même si on voulait créer 200 places aujourd'hui, il n'y a personne pour les porter. Donc, ce n'est pas seulement trouver des places, ce n'est pas seulement créer les 8 postes qu'on vient de faire, et encore, il y a eu la question, mais comment on va les recruter? Ce n'est pas tant ça. C'est d'essayer de retravailler ensemble sur comment on peut avancer sur des petites choses, comment on peut aussi remonter au pouvoir public les alertes que vous avez, et sachez une chose en tout cas, c'est que la souffrance que vous avez, certes, je ne suis pas avec vous dans le bureau avec l'enfant, mais je suis souvent derrière à essayer de trouver des solutions avec vous. Et c'est ensemble qu'on pourra construire quelque chose. Et votre mouvement, je l'entends, je le comprends, et je suis adhérente. Mais je dois aussi pouvoir porter avec vous tous et vos cadres les orientations qui nous sont demandées et essayer de battre avec tout le monde cette crise avec des moyens, et ça ne peut venir que de l'humain. Donc c'est pour ça que je suis là, à vos côtés aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si j'ai... C'est complet, hein. Juste un résumé, vous avez proposé qu'il y ait aussi des travailleurs sociaux et des éducateurs qui puissent vous faire remonter dans chaque unité territoriale. En effet, j'ai dit qu'aujourd'hui... Dans chaque service, tout à fait. Pour faire remonter directement à vous, Madame Pires, les différentes difficultés et des leviers qu'on pourrait activer. Exactement. Parce que ce qu'on a souligné, c'est qu'on était tous force de proposition sur le terrain. Parfois, on est très imaginatif et créatif. Ça ne remonte pas forcément jusqu'en haut. En tout cas, il y a un système qui est assez figé. Et le fait de pouvoir vous adresser peut-être directement nos difficultés. Et voilà, mais il faut peut-être se donner une échéance aussi, Mme Pires, à ça. Parce qu'on peut se dire, on fait ça et puis c'est... Non, alors je me suis engagée à d'ici aussi... le mois de juin, parce que par le passé, j'ai appris qu'il y avait une discussion entre la direction et les cadres enfance et les travailleurs sociaux, quel que soit, deux fois par an dans une grande assemblée. Donc j'ai dit que j'allais essayer de trouver une salle et que d'ici juin, on en échangerait ensemble. C'est aussi des moments de rencontre, d'échange et de travailler sur des solutions, travailler une feuille de route pour l'avenir. D'accord ? Donc je vais essayer de faire ça. Et en effet, j'ai demandé pour que chaque UTS puisse regrouper l'ensemble des difficultés avec aussi des propositions et qu'ils me soient adressées. Donc je devrais recevoir 6 feuilles, peut-être d'ici la fin d'avril, pour que ce soit des choses aussi construites, pour qu'après ces échanges-là, je puisse échanger avec vos directeurs aussi, parce que je travaille en collaboration avec tous les directeurs, pour qu'on échange sur qu'est-ce qui est possible tout de suite, qu'est-ce qui n'est pas possible, quels sont les freins, et est-ce qu'il y a des freins que je peux aller au-delà de ces freins. D'accord ? Et s'il y a encore des difficultés, sachez qu'en tout cas, j'essaierai toujours de défendre la position et le bien-être de l'enfant. Et donc, n'hésitez pas, on en a parlé, quand il y a une difficulté avec un juge ou avec la PJJ ou ainsi de suite, de remonter à vos directeurs. Et en général,
j'essaye en tout cas d'être celle qui protège et dire non, on n'ira pas ou non, on ne le fera pas, tant pis. D'accord ? Mais c'est dans un travail consensuel, ensemble, qu'on pourra le faire. Mais je suis d'accord avec vous, il y a la crise, mais c'est donc peut-être dans ces situations-là qu'on peut aussi encore montrer que humainement, on est tous là pour se trouver des solutions. En tout cas, c'est ce que je retiendrai de cette rencontre avec vous aujourd'hui. Et au niveau associatif, comment peut-on vous faire remonter nos difficultés? Alors, au niveau associatif, je rencontre des directeurs régulièrement. Il faut que vous rappeliez aussi, il est important de redonner à chacun, tout à l'heure on a parlé que tout se décalait, il est important, je pense, d'être chacun dans son rôle pour être garant du bon fonctionnement. Et si on décale à un moment donné toutes les décisions, c'est pour ça que je vous dis, oui, vous allez me remonter votre feuille, je parle là pour mes travailleurs sociaux, mes éducateurs, mais cette feuille, je la partagerai avec vos directeurs et avec les directeurs du central, parce que je travaille en collaboration, et c'est pas juste, ah ben elle a reçu, elle ne va pas le partager, d'accord? Pour les associations, nous sommes autorité de tutelle de tarification. Nous avons un dialogue de gestion. Mais dans la gestion managériale, le département n'a pas cette compétence. Il n'a pas à dire à une structure comment il doit le faire. Mais comme vous avez la main sur le financier, vous avez forcément une influence, c'est évident. Du moins, je l'espère. Et les difficultés que nous rencontrons à terme, vous devrez les gérer. C'est-à-dire que moi, je travaille par exemple dans un petit service qui accueille des jeunes majeurs qui, depuis quelques années, sont dans des situations de plus en plus complexes et de plus en plus dramatiques parce qu'en amont, les choses n'ont pas su être faites. Et ces jeunes majeurs ressortent dans des situations pour l'instant à peu près correctes, mais on sent bien que c'est de plus en plus précaire. Ces jeunes majeurs vont devenir adultes et avoir des enfants, et les répercussions se feront à la génération suivante. Donc forcément, je pense qu'on a notre mot à dire, les gens de terrain, je dirais, sur les modalités de prise en charge, de manière à ce que tout se passe au mieux, parce que nous aussi, nos préoccupations sont les mêmes que nos collègues des UT. Hein, on s'est engagé dans ce métier-là avec le même état d'esprit. Et donc, nous, l'idée, c'est que si possible, les jeunes qu'on prend en charge, à la génération suivante, on ne reproduise pas le même problème ou on ne l'a encore moins l'aggravé. Et actuellement, ce qu'on vit, c'est des aggravations des situations qui font boule de neige et qui, dans les situations de sous-effectifs, de manque de recrutement comme on est, ne font que s'aggraver. Et donc, là, on n'est pas dans un état de petite blessure à soigner, c'est une hémorragie. Et donc, il faut employer des moyens qu'on emploie face à une hémorragie, il me semble. J'entends bien. Après, dans les dialogues de gestion qu'on pourra faire, je sensibiliserai vos directions et vos présidences des remontées que vous avez pu faire. Mais en levier actif, aujourd'hui, ça serait vous mentir de dire que je peux agir auprès de vos directeurs. Je peux agir à mon niveau auprès des miens. Les miens, en tout cas, ce n'est pas les miens, mais ceux du département qui m'ont été confiés dans ma responsabilité hiérarchique. Sur les vôtres, je ne peux que les sensibiliser et les alerter sur la difficulté qui a pu m'être remontée lors d'un dialogue social. Ça, je m'engage, il n'y a aucun problème, mais je ne pourrais pas aller au-delà. C'est déjà merci. Beaucoup, merci. Oui, régulièrement, c'est des régulièrement. On les reçoit à tous, ou collégialement, ou individuellement, sur un thème de travail. En tout cas, si on a un message à vous faire passer en tant qu'élus locaux, puisque c'est notre mission avec Elisabeth, c'est que le diagnostic, on le partage évidemment. Les moyens, on essaie de les trouver, on essaie de les allouer au fil du temps, malheureusement, même si la situation se dégrade. On a quand même mis 18,5 millions d'euros supplémentaires sur ces trois dernières années. Au niveau des politiques de l'enfance, donc on essaye de mettre les moyens. Dans un contexte que vous connaissez comme moi, donc je ne vais pas vous faire pleurer dans les chaumières, mais on a des dépenses effectivement qui augmentent et on a des recettes qui baissent malheureusement. Et c'est là où on a plus besoin de nous que finalement les moyens qui nous sont alloués par l'État sont peut-être les plus faibles. Vous voyez, hier soir je regardais les dotations aux collectivités territoriales. Voilà, donc je regardais la dotation globale de fonctionnement qui est allouée au département de Lyon, c'est 59 millions d'euros. Voilà, je me suis réjoui parce que j'avais 200 000 balles de plus. 200 000 balles, je ne vais pas faire grand-chose. Hein.
Mais concrètement, les moyens, on essaie de les mettre. Les forces, on sait qu'on les a, on sait qu'elles sont en souffrance. On sait que la situation, effectivement, de l'enfance se dégrade partout. On est vigilant aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vis-à-vis de nos partenaires, parce qu'effectivement, on a la vocation, nous, à gérer le département de Lyon, et on essaie de le faire au mieux sous la houlette de notre président Patrick Gendreau. Voilà, c'est une dynamique qui est compliquée, un cercle qui est vicieux en ce moment. Et en tout cas, on essaie de mobiliser toutes et tous, et on sait que Sonia Pires essaie de mener à bien, en fait, l'ensemble de la fiche du route qu'on lui a donnée, avec vous et par vous. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est compliqué, c'est souvent dans les crises qu'on arrive à être le plus productif et le plus imaginatif pour trouver des solutions. Donc on a quelques moyens d'action qu'on a pu évoquer ensemble, qu'on va activer dans les plus brefs délais, parce que le but, il est effectivement de gagner un temps fou. Je crois une organisation qui n'est pas en silo, où chacun dans son couloir essaye de gérer juste son petit couloir, ça m'intéresse pas. Ce qu'il nous faut, c'est quelque chose de transversal. Donc on a des leviers à travailler en interne, au niveau du conseil départemental, pour faciliter le travail. On a des rapports aussi, et quelquefois peut-être montrer les dents avec d'autres départements limitrophes qui considèrent que le département finalement est un département très gentil. Voilà, mais en gardant une chose en tête, c'est effectivement l'intérêt de l'enfant et des familles. Et c'est là qu'il y a quelques injonctions paradoxales, et c'est là qu'on est toutes et tous en conflit finalement avec nos valeurs qui quelquefois sont érodées. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie pour ce temps qui nous a été donné ensemble. On va essayer de faire de notre mieux de notre côté, avec vous, évidemment. Et puis, avancer, encore avancer, proposer. Mais, Elisabeth, si tu souhaites apporter quelques précisions. Non, on ne va pas alourdir le débat. Voilà. On a eu l'occasion d'échanger. Et moi, je suis une besogneuse. Je préfère les messes basses aux grands messes, parce que c'est vraiment en tout petit comité, je trouve, qu'on avance. Donc, on se reverra à d'autres moments, dans les UT, déjà, ou dans les associations. Parce que ça, c'est quand même une feuille de route que moi, je me suis donnée pour aller un petit peu partout. Et ma foi, l'échange, j'y crois beaucoup. Et la politique des petits pas, c'est celle qu'on va transformer. On va mettre des bottes de 7 pieds. Voilà, et marquer des essais. Juste pour dire, j'ai dit à plusieurs reprises, mais vraiment, j'aimerais inviter les élus à venir en immersion, voir voilà, notre travail au quotidien. Et pas juste, je sais que vous savez ce qu'on fait sur le terrain, mais entre le savoir et le vivre, vraiment, je vous invite à venir passer voilà, un temps de rencontre quand on est en permanence avec les familles ou de, voilà, je sais pas. Merci, vraiment. Mais croyez-moi, en ce moment, comme c'est une année olympique, je me rappelle en permanence que la gestion du calendrier, ça devrait être une épreuve olympique. Parce qu'effectivement, là, on est avec vous. Depuis ce matin, on est en réunion. Moi, ce qui me concerne, c'est 4 jours et demi au PSD. Donc, je suis allée dans les UT à des moments particuliers, sur des sujets précis. J'aimerais bien aller faire de l'immersion avec vous tout le temps, mais c'est un peu compliqué. Et l'autre élément, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai un vrai métier, je suis cadre de santé, aussi. Je suis infirmier de formation. Voilà, il y a des choses qu'on partage évidemment. Voilà, et puis des remontées, des partenariats et des connaissances qu'on a les uns et les autres du métier et de l'accompagnement. Donc de ce côté-là, moi j'ai pas de soucis sur nos feuilles de route. Bonne journée. Et on est, enfin je leur dis, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais on est tout cœur avec vous parce qu'effectivement il y a des éléments qui doivent venir du national, notamment au niveau financier. Allez, bonne journée.